Bonjour à tous. La semaine passée, j'ai acheté une serviette en microfibre. J'ai eu l'occasion de m'en servir cette semaine. Je vais vous montrer un peu les spécifications. Et moi, j'ai choisi la serviette à main qui fait presque un mètre de long. Je trouvais que l'autre était beaucoup trop grande pour rien. La serviette, elle vient avec sa petite pochette ici. Je dois avouer que c'est pas facile de la plier de la bonne manière pour la rentrer dedans. Ici, on a la serviette. Ça ressemble, c'est plutôt mince, ça ressemble à un chamois, comme qu'est-ce qu'on essuie les voitures, ça a vraiment la même texture, même que ça fait un peu étrange la première fois qu'on s'essuie avec ça. Côté absorption, oui, ça l'absorbe vraiment bien, autant qu'une serviette régulière. Puis côté dimension, pour comparer, j'ai une serviette régulière de la même grandeur versus celle-là. Côté épaisseur, il y a une bonne différence aussi. Côté séchage, comparativement à la serviette que j'ai montrée, sèche deux fois plus rapidement. C'est quand même, par temps humide, c'est quand même un petit peu long à sécher, mais moins que l'autre. C'est vraiment le double. Cette semaine, il y a eu beaucoup de pluie, c'était humide. Ça a pris environ 48 heures à sécher pour la grosse, puis celle-là, elle a pris un petit peu moins de 24 heures. C'est sûr que dans des conditions qui ne sont pas idéales, c'est peut-être un peu long, mais supposément qu'il est censé être antibactérien, qu'il n'y aurait pas d'odeur. C'est ce que je vais voir après plusieurs utilisations. L'autre serviette, je dois avouer qu'elle sent un petit peu le moisi. Elle prend trop de temps à sécher. Celle-là, elle n'a pas d'odeur encore. Donc, c'est quand même bon signe. C'est un petit peu bon, ce que je pensais de la serviette. La prochaine, je vais probablement acheter l'extra mince. Je ne sais pas ce que ça vaut côté essuyage, mais ça va être à suivre.